Salut tout le monde, c'est Tommy. Alors on se retrouve aujourd'hui sur Fortnite pour cette 9e semaine. Alors toujours pas d'étoiles bonus pour cette semaine comme la semaine précédente. Mais donc on peut voir un changement là où je vous avais montré dans la précédente vidéo sur justement la fusée, le petit mystère de la fusée. Hein, donc maintenant on a le décompte qu'on trouvait sur les télés qui est affiché juste ici. Hein, donc on est à l'emplacement de la fusée. Hein. Et donc on a le décompte qui indique donc... Alors je vous parle, on est le 28 à 15h27, donc il indique un décompte qui nous amène à, dans 2 jours, 4 heures, non, c'est ça, 2 jours, 4 heures, 2 minutes et voilà, 10 secondes. Donc voilà, on va savoir ce qu'on pourra faire. Est-ce que justement on ne pourra pas faire décoller la fusée? C'est ce que je me pose comme question. Et puis je vous retrouve tout de suite pour vous parler d'autre chose qui est en rapport avec justement ce décompte. Alors ce que je voulais vous montrer justement, on le retrouve ici au niveau des pages d'écran de chargement. Donc c'est par rapport justement à tout ce qu'on débloquait chaque semaine comme nouvel écran suite à avoir terminé tous les défis. Alors sur le premier on voit quoi? On voit donc l'intermédiaire entre la saison 3 et 4 avec l'arrivée de la météorite. Sur le deuxième on voit quoi? Donc on voit Omega qui arrive, donc on peut dire que voilà, on supposait que c'était un personnage méchant et en effet. Là on a quoi? On suppose que c'est l'équipe des gentils avec le carburant à gauche. On passe ensuite à la quatrième semaine, donc l'armée de Omega, forcément. La cinquième, la bataille entre Carburo, enfin les deux camps, hein, donc les gentils avec Carburo et les méchants avec Omega. Sur la sixième image, là, c'était un peu plus compliqué à comprendre puisqu'on voit en arrière-plan un Carburo. Donc là, on peut quand même supposer que voilà, c'était pour un film ou voilà, on sait pas trop, mais. Pour moi, c'est justement Omega qui gagnait, puisque pour la semaine 7, on avait l'arrivée donc du visiteur qui arrivait sur la météorite de Dusty. Et pour terminer, avec la 8e semaine, qui justement ce visiteur qui a l'air de pianoter sur un écran, l'écran qu'on peut voir justement juste avant en début de vidéo, là où il y a la fusée forcément. Et donc, voilà, on peut supposer que c'est lui qui fera décoller cette fusée. Donc ça rejoint un petit peu le décompte qu'on retrouve au niveau de celle-ci. Et puis on a également une alarme qu'on entend de temps en temps sur la map lorsque. Enfin depuis cette semaine. Donc depuis aujourd'hui. Voilà, laissant supposer une nouvelle fois que la fusée risque de décoller. Qui fera peut-être justement on va dire la passerelle entre la saison 4 et 5. Avec pourquoi pas on migrerait peut-être sur une nouvelle map. On ne sait pas trop. On verra bien par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.